Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sur Snow. Et donc, du coup, on va attaquer. Eh ben justement, on peut même pas voir la mission comme des cucus. C'est celui-là. Trop moyen si fait à la ferme là. Si trop moyen à la ferme, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, on va charger les deux camions. On va se faire ces deux camions. Alors là-bas, je voulais pas faire deux camions. Et après, bon, allez. Ça avancera un peu plus vite comme ça. Tranquillement, j'aurais pu mettre une cuve à gasoil sur celui-là en même temps. C'est peut-être ce que je vais y faire. Je vais juste charger. Ils ont rajouté le dépôt de tronc juste là. Ok. Ouais, c'était déjà le chemin qui existait avant, je crois. Il me semble. On pouvait déjà venir là avant. Merde. Con. Idiot. Alors, attendez, parce que. Et puis pour ressortir, je crois que je faisais déjà le tour avant. Ok, oui, donc ça va pas trop changer. C'est juste qu'ils ont rajouté le dépôt de tronc au milieu. Là, je pensais que vous pouvez passer, mais non. Hop. Du coup, bon, on va faire ça tranquillement aujourd'hui. Alors, je vous tourne la vidéo en avance. Vous avez l'habitude, histoire de si toutefois il arrive un petit souci. Alors, moi, j'ai pas de vélage de prévu ces jours-ci, donc bon, ça devrait bien se passer. Mais ne sait-on jamais, des fois qu'il y a un problème ou autre. J'aime autant prendre mes précautions. Donc du coup, étant donné que je la tourne en avance, je ne sais pas encore si on fait un live ce soir ou non. Je verrai ça. Alors je vous tourne la vidéo vendredi, donc je verrai ça vendredi soir avec les gens et samedi soir. Sur quoi également? Parce que en ce moment j'ai pas trop d'idées. Alors j'ai une boîte de jeux à faire. Mais j'ai pas trop d'idées de savoir sur. Les jeux sur lesquels les gens veulent aller. Et c'est un peu mon problème en fait en ce moment. C'est surtout en fait c'est par rapport à. Je fais beaucoup par rapport aux gens, alors ça vous le savez. J'aime bien vous laisser justement le privilège de choisir. Alors, le privilège, je sais pas si c'est un privilège, mais. Je pars souvent dans ce sens-là où je laisse choisir. Et en fait, bah, quand je laisse choisir, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. C'est pareil parmi vous, on ne sait pas trop ce que. Et donc du coup, je ne sais jamais trop quoi faire. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile, vous l'aurez compris. Mais voilà, on a une brouette de jeux sur lesquels on peut avancer. Etc. Etc. Donc alors attendez, je vais avancer. Donc en toute logique. Ça c'est pareil, je ne sais pas si je fais un live et dimanche et lundi, donc je ne sais pas sur quoi on va aller. En toute logique, je dirais que ce soir on fait du snow, donc du coup ce soir dimanche, on fait du snow. Et si toutefois lundi, l'envie me prend d'en faire un autre, je ferai plutôt un autre jeu. Donc je dirais, de toute façon mardi il y a Oddworld, ça c'est sûr. Ce soir je dirais Snow. Et puis si toutefois ça me prend comme une envie de faire caca d'en faire encore un autre, mon Dieu. Lundi, j'aviserai. J'aviserai, je verrai bien. Mais bon, moi je dirais que je partirai comme ça et puis après on verra bien. Suivant comme ça se pose. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que. Alors, c'est un truc que je réfléchis depuis. Depuis mercredi, depuis que j'ai eu des problèmes sur comment ça s'appelle? Putain, il va recommencer son bug lui. Depuis que j'ai des problèmes sur Junkyard, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas je me tâte, mais je vous en ai déjà parlé. En gros, je mettrais bien. Je veux bien donner plus de temps, en fait. Enfin, je veux. Ça se décide pas tout seul. Décider avec juger autre. Je veux bien donner plus de temps. Le truc, c'est que faut pouvoir. Donc ça, à la limite, voilà. Et il faut que ça fasse plaisir parce que si toutefois je viendrais à donner plus de temps de temps à autre, c'est-à-dire un live de plus ou pas quoi, pas que ça fasse chier le monde ni quoi que ce soit, mais que les gens soient pas motivés ou que voilà, en gros. Ce que je veux expliquer par là, c'est que bon, on a fait du BF mercredi, un petit peu Battlefield, donc bon, on est tombé sur deux cheaters,
Ça, c'est les choses qui arrivent malheureusement. Hein. Le BF1, il date de 2016, donc doutez-vous bien que depuis, c'est qui c'est Electronic Arts qui fait ça, je ne me rappelle plus. Donc doutez-vous bien que depuis, il y en a un autre qui est sorti, donc il est, je crois, consacre plus de temps. Alors, tu veux pas mettre le machin, toi? Ben, on n'a plus de treuil maintenant? Qu'est-ce que c'est cette... Alors attendez, j'ai bien raccroché, je suis pas fou. Ah mais j'ai pas mis en route, c'est pour ça. Doutez-vous bien que EA, depuis, ils ont trouvé d'autres... Ils ont autre chose à faire que celui-ci, de BF. Donc ça c'est une chose. Mais en quelque sorte, on a changé de jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que les trois quarts des gens se sont barrés. Donc entre le bug que j'ai eu sur Junkyard, plus le fait que les gens sont partis, ça m'a un peu gonflé. Et en gros, investir plus de temps, ça me va. Le problème, c'est que si c'est investir plus de temps pour que personne regarde les lives, ça me gave. Donc voilà, je veux bien donner plus de temps, je veux bien faire tout ce que je peux en fait. Mais bon, c'est pour que les gens s'en aillent, ça me saoule un peu. Alors certes, je comprends que BF soit pas la tasse de thé de tout le monde, hein, ça j'ai bien compris. De toute façon, ça s'est vu. Mais ouais, ça m'a un peu refroidi sur le fait que donner plus de temps, c'est cool. Faire en gros, ça me dérange pas. Donner plus de temps, ça me dérange pas non plus. Mais si c'est faire pour que en face, bah, personne ne regarde, ça me saoule un peu, quoi. Donc, je trouve que je suis un peu du pire dans ce que je veux faire. Donc, pour l'instant, je vais rester comme ça, tant pis. Et puis, on verra bien par la suite ce que ça donnera. Mais voilà, tout ça pour dire que mettez-vous ma place 5 minutes. Que voilà, investir du temps et tout, ça me pose pas de problème. Mais quand tu investis du temps et qu'en face, bah, ça suit pas en quelque sorte, bah, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Du coup. Je vais passer par là, je pense. Je sais pas trop, hein, je me rappelle plus trop de la route. J'ai dû la prendre une ou deux fois, pas plus. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Hop, on est parti, mon kiki. On va déjà faire au moins un voyage aujourd'hui. Et puis, on verra bien après où on en sera. Je vais rester en haut. Ça sert à rien que je me mette en grande parce que je vais traîner le colob pour rien. En espérant qu'il suive l'abruti parce qu'il. Il est un peu cucu quand il s'y met, l'ouvrier de derrière. Il est un peu cucu, il est un peu cucu. Bon, on va bien voir. Ou alors c'est lui qui me pousse déjà, peut-être. C'est possible. Ouais, ça sert à rien que je me mette en automatique parce que je vois que là, c'est moi qui le traîne. Donc ça ne sert à rien, Maurice. On va rester en haute. Ça ira bien assez vite. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je me tâtais à prendre deux camions parce que tout seul, j'aurais pu aller comme un gros sac là au milieu. Bon, après, avec les cailloux, ils sont pas très gentils, les cailloux, mais je me serais débrouillé. J'aurais probablement fini par culbuter. Donc, tu me diras, c'est un mal pour un bien ce que j'ai fait. Et voilà, au moins, on fera deux voyages tranquillement. Au moins aujourd'hui. Histoire d'avancer un peu. Donc, il nous reste Ymir, la péninsule, et puis le nouveau biome, et on sera à jour sur le jeu. J'ai envie de dire à jour en quelque sorte. Ce sera la première fois, peut-être, mis à part s'il nous rajoute quelque chose d'ici là. Mais voilà, comme j'ai dit, Snow, en tout cas, mon goût aujourd'hui fait partie intégrale, je sais pas si ça se dit comme ça, de la chaîne. En gros, j'ai deux jeux maintenant, on va dire, c'est bon, bah, Farming, hein, voilà, bien sûr. Et Snow qui sont, on va pas dire les valeurs sûres, mais disons, c'est les deux jeux forts de la chaîne. Maintenant, moi, je le considère comme un jeu fort. Maintenant, Snow. Donc, bien sûr, je ne lâcherai pas. Il y a une chier de map en mode à voir. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et pour le reste, bon, bah, pour les autres jeux, on se débrouille, on se débrouille. Là n'est pas le problème. Merde. Mais en tout cas, même si les autres jeux, beaucoup de gens s'en désintéressent, malheureusement. Je trouve ça quand même sympa maintenant ce format-là où on peut... où je suis pas limité en termes de jeu.
Et voilà, j'ai pas à me dire, oui, par exemple, comme avant, où bah, c'était 6 jours de suite, enfin 6 8 de farming, pardon, par semaine. Et il y a des fois où je me disais, fais chier, j'ai pas envie de la tourner et tout, j'ai pas envie d'aller sur farming. Et là, maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai le choix, c'est-à-dire que comme hier, j'aurais pu faire du farming, j'aurais pu faire du valet, j'aurais pu faire du overcook, j'aurais pu faire un peu tout ce que je voulais. J'avais envie de faire du builder histoire d'avoir. Alors la démo en quelque sorte est courte, oui et non, puisque tu peux continuer la maison. Mais voilà, on a vu le principe de base de ce qu'on avait actuellement. Et tu vois, j'avais envie d'en faire et je me suis pas dit, ouais, mais machin, j'avais dit que je ferais ceci, j'avais dit que je ferais cela, donc faire ce jeu-là, bah, fallait peut-être pas. Ou voilà, du coup, je me pose plus ce genre de questions et je fais à mon envie. Et c'est vrai que vous avez été alors, nombreux pour ceux qui me suivent un peu surtout. À me dire, te casse pas la tête à faire quelque chose où tu te forces, fais quelque chose que tu as envie. Et en fait, j'avais envie. Et ça aurait pu me prendre pour Valheim hein, aussi, ça aurait pu me prendre pour un autre jeu, en disant, bah tiens, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, je vais faire ça, et puis voilà. Et en fait, là, j'avais envie de faire du builder, donc du coup, je trouve ça plus sympa. Alors, certes, hein, on en revient toujours sur la chose qui en fâche certains, oui et non, mais où j'ai déjà eu plusieurs fois la remarque des gens parmi vous qui s'inquiétaient un peu de l'avenir de la chaîne en quelque sorte. Je trouve ça très gentil de votre part, hein, c'est vraiment sympa par rapport à ça parce qu'ils ont vu le nombre de vues chuter. Alors, ça en effet, que ce soit et sur mais il est pendu cet abruti, mongol, que ce soit sur les jeux. Je fais en ce moment ou sur farming ou sur n'importe quel autre jeu que le nombre de vues a chuté et même sur farming en effet ça a chuté parce que bah, les gens ont compris que je faisais d'autres choses maintenant donc ceux-là bah, ont déserté hein, tout simplement ils ont déserté la chaîne et voilà donc ça a baissé pour tout mais ouais, j'ai envie de dire, je suis pas soumis à, je suis pas soumis à faire tant de vues ou tant de chiffres ou tant de choses par semaine ou par mois parce que, bah voilà, une nouvelle fois, c'est pas mon métier. Donc, bah, comme j'ai dit, qu'on fasse 100 vues, 200, 300, 400, 600, 900, 1000, peu importe. Bah moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Puisque j'ai aucune obligation envers personne, en quelque sorte, j'ai aucun chiffre à faire absolument, j'ai aucune vue minimum à faire non plus, aucun nombre d'abonnés à avoir par semaine obligatoirement ou par mois, donc j'ai envie de dire, moi ça me change rien du tout, mis à part le fait que ça peut être décourageant. Moi, en l'occurrence, ça me décourage pas. Alors, mis à part pour les problèmes qu'on a du style des bugs de mercredi, où là, bon, ça me fait un peu chier, mais sinon, j'ai aucun chiffre à remplir et j'ai aucune obligation. Donc, qu'on fasse 100 vues ou 200, bon, ouais, ça me dérange pas. Certes, en effet, quand tu fais une vidéo, alors, c'est pas le fait de travailler la vidéo parce que je fais des trucs tout simples. Bon, ça, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, je fais que comme ça. Faire des montages à la mort moelle-neuve qui me durent 8 heures de temps. Il y a bien que sur les best-of que j'ai envie d'en faire. Hein. Mais sinon, voilà, j'aime bien rester simple. Putain, il est pas évident ce chemin de merde là. J'aime bien rester simple. Bon, ça, vous avez l'habitude. Il n'y a que pour les best-of que j'aime bien justement me casser la tête à faire 6 heures ou 8 heures d'affilée parce que ça me fait rire. Putain, je vais finir par descendre. Et même pour ça que j'ai envie de me prendre la tête. Donc voilà. Mais effectivement, oui, parfois quand tu. J'en sais rien, moi. Alors, chose que j'ai pas fait exprès, c'était sur Valheim, où pour la construction de la maison, je crois qu'on a eu 4000 vues ou des brouettes. Certes, bah, ça fait plaisir. Tu te dis que bah voilà, c'est. Derrière, il y a du boulot, tu vois. Parce que, pas forcément en vidéo, une nouvelle fois, mais il faut faire hors ligne aussi. C'est ce que je vous ai déjà dit. Alors,
Bien sûr, faut prendre tout en compte. Je me force pas à y jouer, hein, doutez-vous bien, vous aurez compris. Sinon, quand je me force à jouer à quelque chose, j'y joue pas. Parce que ça me prend la tête. Mais il y a du boulot quand même derrière où il faut avancer un peu hors ligne, il faut faire pas mal de choses. C'est comme sur Farming où il faut avancer, ou sur. Alors Assassin's Creed, je vais avancer un petit peu pour les trésors, mais. Voilà, c'est tout des jeux où je me force pas à y jouer hors ligne, mais voilà, tu vois, ça fait toujours un peu de boulot derrière. Et pour ceux qui s'inquiètent de ça, en l'occurrence, que ça va me décourager, non, pas plus que ça. C'est sûr, comme j'ai dit, ça fait plaisir de faire 4000 vues sur une vidéo où c'était pas du tout prévu, effectivement. Mais qu'on fasse 4000 ou 200, on va me dire que ça change pas grand-chose, tant que ça fait plaisir à des gens, c'est mon but principal. Donc c'est cool de votre part, de ces personnes-là, de vous inquiéter par rapport à l'avenir de la chaîne, mais rassurez-vous, ça bougera pas, hein, je continue mon train-train tranquillement. Et non, non, ça va pas changer. Ça va pas changer ce que je faisais actuellement, ni ce que je vais faire plus tard. Juste que oui, parfois, bah, je me dis merde, c'est dommage. Parce que bah, j'ai taffé une chier de temps avant de la faire pour pouvoir avancer. Et finalement, bah, il y a que j'en sais rien, 100 vues, 150 vues. Et voilà. Mais non, non, globalement, ça me fait rien du tout. La seule chose qui me dérange, c'est le fait que il y a beaucoup de jeux qui sont aussi bien que Farming, même si c'est pas le même style, et où on rigole autant que sur Farming, et finalement les gens ne veulent pas comprendre que bah, on passe des bons moments sur d'autres jeux, et puis voilà. C'est juste ça qui me dérange, bah, bon ça on refera pas le monde, hein, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose. Et juste ça qui me dérange un peu, mais sinon, non, non, globalement, ça ne change rien pour moi. Vous inquiétez pas là-dessus. Ça ne me décourage pas sur ce que je veux faire cette année, c'est-à-dire jouer un petit peu à tout, toucher un petit peu à tout en termes de jeu. Ça ne change absolument rien. Alors, du coup, ce chemin-là est pas facile, hein. Je vais peut-être en prendre un autre pour rentrer, pour voir un petit peu la gueule que ça. Donc, j'ai laissé mon deuxième camion, je vais aller rechercher. Juste après, je vais déjà livrer ça. Mais ouais, ce chemin-là, il est un peu biscornu, carré bossu, un petit peu ce que vous voulez, peu importe, mais il est pas facile. Et là, il y en a un autre. Je vais peut-être prendre pour rentrer. Pour rentrer, pour repartir, remonter là. Ça peut être sympa, je pense. Parce que là, effectivement, c'était pas facile du tout. Bon, je vais aller décharger ça. Ce sera fait. Je vais revenir avec l'autre. Et puis voilà, on aura déjà fait ça, on va peut-être pouvoir repartir pour charger le deuxième voyage. Alors je sais pas si je vais charger à deux camions parce que, étant donné que on va se retrouver avec les autres, il y aura déjà deux voyages de fait. Il restera quatre. Si on est les quatre, ça va peut-être se faire. Alors ça dépend parce que, en règle générale, quand on est quatre, il nous arrive toujours des trucs assez mystiques sur le jeu. Mythique, mystique, je sais pas trop comment ça se dit, mais des choses un petit peu bizarres. Et je m'aperçois que ça doit être la cuve qui fait chier en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être la laisser au garage le prochain coup. La cuvette là. Alors du coup, et de 1. Alors j'ai été venu ici pour livrer une voiture et puis livrer une autre connerie. Je me rappelle du bordel qu'il y avait d'ailleurs. T'as pas changé, hein. Y a toujours autant de bordel, les bottes sont dehors comme d'habitude. Ok, bon, ça passe pour celui-là, c'est déjà pas mal. Je vais mettre les suspensions surélevées sur l'autre maintenant que je les ai. J'aurais peut-être tendance à passer un peu mieux. Ok, bah, 2, 1. On arrive tranquillement. Hop. Ok, ça c'est fait. On va se rendre à la sortie de la ferme. Alors, s'il veut bien avancer, Maurice là. Puis récupérer le deuxième camtouille, les vieux tracteurs ils sont entassés dans un coin comme un gros cochon dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Elle est où la sortie? Il y a le panneau normalement, ça doit être là, ouais c'est là. C'est là, c'est là. Quoique la cuve elle peut peut-être servir hein, parce que
J'ai patiné un peu, mais... Alors, arrête moteur, fais le pling. Et du coup, mon colob. Alors, le colob, je ne sais plus comment... Ça y est. Il tourne toujours, le con. Ouais, il tourne toujours, abruti. Il y a un peu de brouillard ici. Effectivement, ça va peut-être mieux passer avec les suspensions élevées quand même. Va mieux passer. Je suis pas resté pendu dans le trou. C'est plutôt sympa, mais étant donné que j'ai déjà labouré avec le taïga, je sais pas trop comment que ça va. Je sais pas trop comment que ça va aller. Là ça passe mais ça va être, je sais plus c'est où que je suis resté pendu. Bah, j'étais déjà resté pendu là, je suis resté pendu ici je crois aussi où j'ai failli culbuter haut. Ouais, ça fait haut quand même aussi hein. Ouais, ça passe mieux quand même, ça passe mieux, ça passe mieux. Alors certainement qu'il doit picoler un peu plus. Ouh, la remorque, j'ai pas de grue hein. Je n'ai pas de grue. Alors vas-y, essaye voir de mettre la haute. Non, il veut pas aller en haute. Si, bourre, monseigneur. Je ne sais plus. Ouais, il est là, je crois. Ok, bon, ça passe pas trop mal avec celui-là, quand même. Là, on devrait s'arrêter parce que je suis en troisième. Oula, oula la remorque. La remorque elle s'en va. Et même avec le colob au milieu au esprit. C'est terrible. Terrible, c'est terrible ça. Il veut pas se mettre en haut ce bataou. Si, c'est bon. Ok. Eh bah ben, putain, ça va être un peu le bordel ici. Hein. C'est un peu le bodjil, c'est un peu le bodjil. Et du coup, c'est quand même con qu'on puisse pas mettre un chargement directement sur le camion, mis à part sur le catacris là, le caterpillar. Sinon, on peut pas mettre de chargement sur le camion, et ça c'est dommage. Je trouve que ça aurait été plus sympa. Alors, pas forcément. Alors, soit mettre un chargement sur le camion, ou du coup, soit la remorque, ou peut-être pas les deux, mais les deux ça aurait pu être cool aussi. Mais bon, il y a moyen que tu restes pendu par contre. Alors, j'aurais mieux fait de pas freiner. J'ai relâché la touche d'accélérateur comme un bébé. Bon, là, ça passe. Tranquillement, normalement, on va reprendre les traces pour pas que la remorque le bute. Et on devrait être pas trop mal. Du coup, vous l'aurez remarqué, j'ai changé la disposition du micro. Alors, à la base, je voulais l'éloigner un tout petit peu de moi. Et en fait. Je pense qu'on m'entendra pas assez, donc du coup je l'ai remis comme ça. Alors pour l'instant il me dérange pas, c'est juste qu'il me dérange avec la boîte à vitesse quand je m'en sers. Bon. Là effectivement je m'en sers pas, donc bon, c'est pas un souci. Et quand je m'en sers, c'est un petit problème quand même. C'est un petit problème, c'est un petit problème. Alors nous voulons arriver tranquillement. Encore un coup. Et là pareil, il va y avoir du boulot parce que je crois que des kiosques à rondins, il n'y en a que ici. Sur cette map là et pas sur les autres, si je dis pas de conneries, je me rappelle plus, j'avais regardé mais il me semble que ça doit être ça. Donc du coup il va y avoir des voyages à faire, des voyages. Ah, les bottes elles ont bougé, tiens. Enfin, j'ai roulé assez loin mais alors vas-y, livre ça Maurice. Livre ça, livre ça. Là, et de deux. Ok, nice. Alors, du coup, je vais retracer la route. On va essayer de foutre le camp de là au milieu. Tranquillement. Il y a une sacrée ferme quand même. Hein. Il y a un peu de bordel ici. Hein. Alors, chez moi, c'est pas trop. Ordonné non plus en quelque sorte, mais il y a quand même moins de bordel. Hein.
En Russie, ils posent un peu tout partout, je dirais. Bon, alors, ça, c'est qu'à préjugé, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes comme ça, je pense, les fermes, mais. En tout cas, dans celle-là, il y a un sacré bordel. Il y a un sacré bordel. Alors, du coup, une petite Aïga. Il est ici. Parce que là, je sais que c'est le bordel ici. À cet endroit-là, je sais que tu restes pendu, donc j'essaierai bien de passer par là. Et après, la route, bon, la route. Quoique, la route, je ne sais plus. Ah merde! C'est pas là, cucu, c'est là. Oui, c'est ça. Ah, vous voyez, j'allais faire une boulette. J'allais remonter dans le haut de la map comme un bebeu. Je vais tracer, mais bon, là, logiquement, j'ai pas besoin de traçage. Alors, du coup, mon taïga. C'est reparti, mon kiki. C'est reparti. Alors. Il fait déjà renuit, c'est incroyable ça. Donc là, c'est à gauche. Est-ce que celui-là est mieux que l'autre? Ah, ben non, j'ai encore pas pris, c'est plus loin. Bon. Bon, Didio, là, c'est le même chemin qu'on avait tout de suite. Je vais quand même pas culbuter ici, non? Allez, vas-y, Maurice. Là, il y a le colob qui me pousse. C'est peut-être lui qui me fout en bas à chaque fois, finalement. Moi, bon, je vais pas assez vite. Ah, bah oui, mais lui, il a pas le problème, puisque j'ai laissé les suspates élevés là-dessus. Il a pas le problème, lui. Bah, pousse, Maurice, pousse. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Pousse. Alors là, on prend à gauche, du coup. Est-ce que celui-là est mieux? C'est dans les virages, en fait. S'il me pousse trop, c'est la Moria, maître nain. Ah, Upsa. Puis là, il va tirer au cours, donc il va faire la merde. Ah, il m'a enlevé le treuil. Con. Tant pis. Par contre, je peux plus bouger. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est sur moi. Ah, c'est pas vrai. Hop là, Roustine. Puis j'ai bugué en plus. Ok, bon, on va reprendre le colop. C'est pas grave. Mais avoir un peu de jour là parce que. Quel con. Bon. Bah, finalement, l'autre était peut-être mieux de chemin. C'est moche, hein? C'est moche. Ah ben voilà. Et c'est terminé. Alors comment je vais me démerder pour sortir cet idiot-là de là-dedans? Mais comment ça se fait qu'on patine autant ici? C'est terrible. Vas-y, viens là, Maurice. Mets les petites vitesses, toi. Au moins pour le sortir du trou, ça serait cool. Non, tu veux pas le sortir du trou? C'est emmerdant. Mais il est bugué. Il est bugué aussi. Putain, il veut pas sortir de là-dedans, hein. Bon. Je vais faire autrement, je vais me mettre un peu plus haut, je vais décrocher. Il y avait juste ce passage-là, il a fallu que je culbute ici. Mais par là. Alors, détache l'armor, projet. Ah, il en faut toujours une de bêtisation. C'est ma passion. C'est ma passion. Bon alors je suis con parce que j'aurais peut-être pu prendre le colob et les deux remorques. Mais bon après j'aurais pas eu assez de gazole pour faire le voyage mais ça aurait pu se faire. Hop. Je vais juste tendre un peu plus le câble. Prendre l'élan. Putain il veut pas le sortir. Hein.
Tu veux pas venir là, non? C'est la remorque qui est buggée, c'est pas le camion. Qui est buggée dans le terrain. Puis lui, il accélère, l'abruti, là. Alors, attendez. Et puis je rezoome à chaque fois, ça je perdrai jamais cette habitude à la con. Prends-le par le cul, dégueulasse. Allez, tourne. Encore. Tourne. Là. Bougez pas, de toute façon je vais pas aller bien loin. Hop. Ok, alors est-ce que je peux faire le plein là vite fait? Enfin, si tu veux, remplis-moi plutôt que tu te démerdes. Je vais reprendre le Taiga vite fait. Ah, cette remorque, citerne à la con sur le camion, elle te fait perdre un équilibre, c'est terrible. C'est terrible. Je vais aller rechercher l'autre remorque avec le colloque, du coup. On échange les remorques. C'est un échangisme. Ok. Alors, recolobe. Recolobe. Que je vais pouvoir la traîner. Mais non, con. Mais non, con. Mais. Vas-y, viens là, Maurice. Vas-y. Peut-être avec celui-là, tout est plus facile. Bon. Alors attends, parce que je vais tâcher de la traîner quand même à peu près au plus à plat, parce que autrement elle va me casser les pieds encore celle-là. Encore. Là, bougez plus. Ok. Bon. Ça c'est fait. Avant de reculbuter d'ici peu de temps. Bah ce chemin-là était quand même plus pratique à prendre, mais. Mais tu le vois pas, il est pas assez gros. Oh putain. Il faudrait que tu tournes mon petit. Alors attends, me culbute pas. Ouais mais il est sur le côté comme ça. Non c'est bon. J'ai cru. Allez, go. Ça c'est pas mieux ici. Hein. Là il y a une toute petite butte mais bon. L'autre il me monte dessus aussi. Oh dégueulasse. Cochon. Je vais pas m'en sortir. C'est pour ça que j'aime pas prendre deux camions. Parce que t'es plus souvent. Moi je suis pas concentré sur ce que je fais. Alors du coup je suis toujours en train de regarder derrière. Du coup je fais pas attention, je culbute. Ou alors celui de derrière il coupe au court, il rentre dans un arbre, faut aller dépendre. Misère. Misère de chiasse de misère. Tiens, ouais. Ah, et encore coupé au cours comme un gros sagouin. Allez, on se projette. Donc ouais, c'est pas... C'est pas foufou, hein, ma cochonnerie, là. Hein. Donc là, bon, comme j'ai de la vitesse, lui, normalement, il me colle pas au cul. Ça y est, là, j'en ai plus. Misère, bon j'ai pas besoin de m'arrêter au gasoil, du coup j'ai fait le plein des deux camions. Et on va pas tarder de s'arrêter là, messieurs, dames. De toute façon. Bon on aura fait 2 troncs sur 6, c'est toujours ça. Faut que j'aille. Faut que j'aille bouffer, putain, c'est terrible. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas, je cours partout, c'est. C'est terrible. Terrible, terrible.
Ok, bon bah c'est bien, on va rester là-dedans. Et puis voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bon, j'ai culbuté encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous avez l'habitude justement. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Je vous dis, je ne sais pas ce soir ou pas. Donc ça se décidera sur le live de vendredi et de samedi. Mais voilà, peut-être à ce soir ou peut-être pas. Je vous souhaite quand même un bon dimanche. Demain, c'est férié également. Donc bon dodo demain si je ne vous vois pas ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.